Un matin de novembre, le littoral de Côte d'Ivoire à Grand-Lahou. Baraka et ses hommes, tous des pêcheurs rêvés, s'apprêtent à mettre leur lourde pirogue à la mer. Dix jours auparavant, un homme est mort lors du passage de la barre. Aujourd'hui, c'est leur première sortie après la période de deuil. La barre est plutôt modérée ce matin. Pour la franchir, le signal viendra de terre. Un siffleur observe la barre et indiquera le moment favorable. Un cordage amarré à une extrémité du filet est porté à terre. Le filet sera déployé parallèlement au rivage et tiré depuis la plage, après le retour de la pirogue.
Devant, le pilon va arriver en coupe. On va plus un peu. Attention.
Comme partout sur la côte, ce sont les femmes qui achètent le poisson pour le revendre ensuite, frais, fumé ou séché. Aujourd'hui, la pêche est médiocre. Le courant n'était pas favorable. Mais après 10 jours d'inactivité, il fallait pourtant sortir. Les femmes manquaient de poisson. Même ça là, même si tu nous donnes cadeau, on n'aime pas parce que c'est pas bon. Ah, il y a un goût de diable.